Bon matin! Je me suis encore levée super tôt. Un matin, je me suis levée à 7h à cause que Keller est venu me donner des petits bisous d'en face. Fait que ça m'a réveillée. Ce qui fait que je suis productive ce matin. Il est même pas 9h. Je suis en train de mettre mon vlog en ligne. Faut que je fasse la miniature tout de suite après avoir déjeuné parce que là, je commence à avoir faim. Mais je voulais vous parler d'un petit masque pour la face que j'aime bien de Yves Rocher. Là, peut-être. Ma face est pas parfaite, j'ai de l'acné, faites pas le saut. Mais à chaque fois que j'applique ce masque-là, ma peau le lendemain matin est genre full. Moi, je connais ma peau, ok? Puis là, ma peau est belle, genre. Elle est comme full, full hydratée. On dirait, je sais pas comment dire, on dirait elle rebondit, genre. C'est comme, je sais pas comment décrire. Mais je vais vous montrer c'est quoi le produit. Ça, eux autres, ils disent d'appliquer ça 2 fois par semaine et de laisser agir 5 à 10 minutes, puis d'enlever le surplus à l'aide d'un coton. Mais moi, ma peau, je sais pas si c'est normal, mais elle aspire tout. Genre, puis au bout de 10 minutes, il n'y a plus de surplus. Puis j'en mets quand même pas mal épais. Fait que je me dis, ma peau doit avoir vraiment soif, je sais pas. Tu sais, j'ai une peau à tendance grasse, acnéique, mais je sais aussi qu'on me dit souvent qu'elle est déshydratée. Fait que j'ai l'impression que ça vient comme la rebooster. Ça s'appelle Elixir Jeunesse de Yves Rocher. Je sais pas combien ça vaut. C'est un produit qu'on m'a envoyé. J'ai regardé les reviews sur internet. C'est partagé. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent, qui trouvent que ça rend la peau collante. Mais je pense que si vous mettez ça, c'est sûr, faites pas ça le matin, là, avant d'aller travailler ou d'aller à l'école. Faites ça le soir. Allez vous coucher. Le lendemain, vous nettoyez le visage comme vous avez l'habitude de le faire. Puis pour vrai, c'est là, je pense, que vous allez voir une différence. Ça s'appelle, c'est ça, Elixir Jeunesse Réparation plus Anti-Pollution Masque Flash Désasphyxiant. Je pourrais pas vous expliquer ce que ça fait, mais à chaque fois, le lendemain matin, je suis comme, oh shit, je vois une différence, puis ma peau est super belle. Fait que je me dis, sur ma peau, si ça marche, ça doit marcher sur la vôtre aussi. Fait qu'en tout cas, je vais regarder la petite jolie. Je la dérangerai pas. Puis il y a son petit ami là, c'est une abonnée qui m'avait donné ça. Puis finalement je m'en sers comme comment on dit? Un pied de porte. Comment on appelle ça? Écrivez-le dans les commentaires, j'ai oublié comment ça c'est. Un quelque chose porte. Un tien-porte. C'est quoi le mot? Oh, j'ai oublié. Bref, écrivez-le dans les commentaires. Voyons, c'est quoi? J'allais ça chercher quelque chose là. Bon, je vais aller déjeuner. Je vais me faire un petit café, je pense. Puis, ce matin, c'est frais. Fait que je pense que je vais manger sur ma terrasse. Ah, j'aime pas ça manger dehors. Sauf que quand c'est trop humide, c'est genre dégueulasse. Mais là, je pense que c'est correct aujourd'hui. Ah, petit déjeuner sur la terrasse ce matin. T'es content, toi? T'es content? Oh oui, t'es content. Oh oui, t'es content. On est bien, il y a comme un petit vent frais. Fait que voilà. C'est mes toasts à l'avocat avec des petites tomates et du persil. Voilà. Ok, ça marche comment? Parce que moi je voyais qu'il y avait comme des frais d'1$ à chaque fois que je faisais une transaction, mais là 10$. Oui, c'est étant donné que vous n'aviez pas de forfait, c'est 1$ de la transaction. Et quand le forfait tombe effectif le premier du mois suivant, étant donné que vous n'en aviez pas. Ben c'est bon. Oui, merci. Merci, je te souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Ah, rien que ça à payer, moi, des frais d'utilisation sur ma nouvelle carte. Je viens de voir ça, tu sais, avoir su hein, que ça coûtait 10$ par mois faire des transactions. Je l'aurais peut-être pas fait. Fait que, ouais, je suis en train de faire des appels ce matin pour essayer de me sortir un petit peu de la merde. Là, faut que j'appelle. Là, j'ai réglé mes taxes scolaires, puis là, mon 10$ d'utilisation, je trouvais ça louche, fait que en tout cas, maintenant, au moins, je sais c'est quoi. Fait que ça, c'est fait, là, faut que j'appelle
revenu au Québec pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ça parce que ça va pas bien. Fait que je vais faire ça, si que ça me tente pas. J'en reviens pas comment être travailleur autonome. Des fois, c'est comme compliqué. Là, je suis en train de lire. Parce que... En gros, là, il me demande de faire des acomptes provisionnels, ce qui est totalement logique. Ça, c'est sûr et certain, je comprends à 100%. Quand on fait un plus gros montant, c'est ça, souvent les Revenu Québec n'aiment pas ça qu'on paye juste une fois dans l'année. Il veut qu'on paye genre aux 3 mois nos impôts. Fait que là, c'est ça, comme j'expliquais, je pense, dans mon vlog d'hier, je suis censée payer mes impôts 4 fois dans l'année, mais là, ils veulent que je paye en 2 versements. Fait que ça fait que le montant est quand même pas pire élevé. Ce qui fait que là, j'ai refait des calculs et en tout cas, ça baisserait un peu ce que je dois. Fait qu'en tout cas, je sais pas à quel point je peux baisser le montant. Comme j'ai fait un calcul, ça devrait être correct si je donne un certain montant. Mais là, ils parlent d'intérêt, puis là, je suis comme, ah, ça me fait peur. Fait que je me demande si je devrais juste pas tout payer la totalité, puis comme, puis m'en faire avec ça. Mais là, il y a mes taxes de bienvenue qui s'en viennent, puis là, je suis comme, ah, non. Puis ce qui est vraiment difficile, là, pour vrai, là, j'ai l'air de chialer, ok, mais être payé une fois par mois par YouTube, c'est vraiment difficile de gérer son budget avec juste une paye dans le mois. Puis, quand j'ai des contrats, ben souvent ça prend 3 mois avant que je me fasse payer. Comme là, tu sais, j'en ai eu un avant-hier avec L'Oréal pour mes cheveux. Puis j'en ai un ce dimanche pour Oshiaga. Mais tu sais, je vais être payée genre en novembre. Là. Fait que cet argent-là, c'est comme je peux pas la calculer tout de suite. Fait que c'est juste difficile à gérer. Je pense que, ouais, pour être travailleur autonome, faut vraiment avoir de la discipline de ce côté-là. Là, j'ai un peu fail parce que moi, je m'attendais pas à recevoir ce papier-là hier pour des acomptes provisionnels. Fait que mon but, c'était de c'est ça, pas m'en faire tout de suite hein, pour les impôts puis tout ça. Fait que je regardais pas vraiment mon argent puis c'était pas ça ma priorité, tu sais. Fait que là, je suis genre, ok! Comme là, en fin de semaine, j'étais censée faire des sorties, mais là, j'ai tout cancellé parce que ça n'aura pas lieu. Clairement, ces temps-ci, j'avertis tout le monde, je ne sortirai pas. Je reste chez moi, je fais des vidéos. Je vais travailler plus fort, qu'est-ce que tu veux. C'est des trucs qui arrivent. Là, j'avais pensé aussi mettre en vente des vêtements parce que j'ai un gros bac dans ma chambre de linge. Puis là, j'attends. Je sais pas qu'est-ce que j'attends. Mais je veux les mettre sur Depop parce que j'ai vraiment beaucoup de beaux vêtements que je veux mettre sur mon compte Depop. Je vais essayer de faire ça peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Mais c'est ça, des petites affaires pour essayer de remonter un petit peu... mes affaires, mais c'est ça, fait que avertissement à tous, si un jour vous êtes travailleur autonome, soyez à votre affaire, genre. Puis ça, c'est des affaires qui me fait tellement chier de pas avoir appris ça à l'école, ok? Puis là, j'apprends genre comme maintenant, aujourd'hui. Hey, gars, il aurait fallu que tu y penses plus tôt, tu sais, ça m'énerve que je découvre ça maintenant, genre à 27 ans. Pourquoi? Est-ce que ça s'est pas dit plus tôt dans la vie? Genre, ça... En tout cas... Bon, en tout cas, continue à lire, là, puis... Ça m'énerve. Je vais faire un test, voir si je pouvais quand même porter du rouge avec mes cheveux. Puis la réponse, c'est non, hein? C'est comme... Puis ça me gosse parce que si vous allez me voir en vrai, là, comme à ma nez, là, la couleur que vous voyez à l'écran, c'est trop pas ça, genre, dans mes cheveux, ok, il y a comme du pêche ici. Puis ça, c'est magenta flash, vraiment très très flash, mais avec un peu, c'est magenta, mais avec un peu de mauve. Puis ici, c'est vraiment rose, flamant rose, genre très pâle. Fait qu'il y a comme 3 couleurs dans mes cheveux, mais... J'ai l'impression qu'à la caméra, on voit pas, mais en vrai, c'est tellement flagrant, genre, que c'est pas la même teinte uniforme partout.
ça me fâche qu'on voit pas bien. Quelle heure un peu plus de la vie il a été se coucher là. Je pense qu'il a froid parce que j'ai comme mis ma petite veste. Parce que moi aussi je commençais à avoir froid, je vais fermer l'air clim. Puis là mon frère s'en vient chez nous. On va jouer à Worms. On était censé faire ça hier. Il va amener sa Switch. Puis on va jouer à ça. Ma face sue. Je suis comme tannée, j'ai pas chaud. C'est juste ma face qui est grasse. Genre, vive les peaux grasses. C'est tellement gossant là. Genre, j'ai l'impression qu'il faudrait que je m'éponge à chaque 30 minutes là. Est-ce que vous aussi, vous avez une peau grasse? C'est tellement genre le pire type de peau, je pense. Mais en même temps, c'est le type de peau qui ride le moins. J'ai entendu ça à ma nez, quelque part. Fait que on va dire qu'on est chanceux d'avoir une peau grasse. Mais bref, là je voulais écouter parce que je suis tombée sur des vidéos Teen React 2. Là c'était des ados qui réagissaient à la chanson Sober de Demi Lovato. Puis comme vous le savez, elle a été hospitalisée parce qu'elle a fait une overdose et blablabla. Là ça me tentait de regarder son documentaire parce qu'il y a un documentaire qui est sorti genre il y a un an de ça à peu près je pense. Demi c'est pas quelqu'un que j'écoute vraiment beaucoup, il y a plein de monde qui disent qu'on se ressemble mais c'est pas quelqu'un que je m'identifie, c'est pas... elle n'a pas une place particulière dans mon cœur, mais je suis tout le temps bien open à regarder des biographies puis à découvrir du monde. De même tu sais j'ai regardé le documentaire de... J'utilise biographie, je voulais dire documentaire. J'ai regardé le documentaire de Amy Winehouse, Lady Gaga, Justin Bieber, une couple d'artistes comme ça que j'aime pas particulièrement mais que je suis quand même intéressée par leur vie. C'est pas parce que j'aime pas leur musique que je trouve pas que c'est des personnes inspirantes pis tout ça. Fait que là j'essaye d'aller sur internet puis mon internet marche pas. Y'a rien qui marche. Puis je voulais regarder son documentaire en attendant que mon frère arrive. Puis ça me tentait peut-être de vous faire une vidéo là-dessus. Même si je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour parler de dépendance puis tout ça. Parce que j'ai jamais eu de problème d'alcool, jamais eu de problème de drogue, j'ai jamais fumé la cigarette. Mais ça me tentait quand même de vous en parler comme de... des expériences que j'ai eues par rapport à ces affaires-là. Fait qu'en tout cas, vous me direz si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi, ma dépendance, c'est genre le sucre que je suis en train de combattre encore une fois. Ah! Je viens de le trouver. Demi Lovato. Simply Complicated. C'est genre sur YouTube. Fait que je pense que je vais regarder ça. On attendait que mon frère arrive. Fait que là, c'est des pubs. Mais je vais aller checker ça. Au revoir! Ça va full me rappeler des souvenirs. Je pense qu'il y a bien du monde qui ont joué à ça. Oh my god! C'est ça le jeu des petits vers de terre à la guerre que je vous disais, que je vous parlais hier dans le vlog. Je suis avec mon frère. Allô. Allô Maxime. Je me suis coupé des petits légumes. Je me suis fait un thé. Je file pas. J'ai mal à la gorge. J'ai comme les ganglions tout enflés. Mais vraiment dur, genre c'est weird, puis ça me descend jusqu'en arrière des oreilles, mon mal. Puis là, je me suis mis un foulard. Puis là, genre, je pèse de même, puis ça me fait du bien. Mais je sais pas c'est quoi mon problème. Ça m'a pogné comme là, 2 heures à peu près, ça a commencé. Puis là, c'est genre un peu plus intense. Fait que, en tout cas, on va checker ça. Avec un manteau. Ouais. Je sais pas si c'est l'air clim, mais là, je l'ai reparti, mais tu sais, j'ai chaud, genre, je suis. Mais j'ai comme froid du cou, je sais pas comment expliquer. Fait que en tout cas, j'espère que je vais survivre. Parce qu'avoir un foulard au mois d'août, c'est pas normal. Hey là, c'est touché, je suis sauté de... Bon okay. Là, mon bonhomme, il est pris dans un... Là, qu'est-ce que j'y fais? Dans un trou. Une cluster bomb, that sounds good. Hello, Emmanuel. Hello. Ciao. Ah, oh, ça se fait. Hein? Mais là, je pense, vu que je suis protégée. Ah, 37. 27? Mon premier mot, c'est tabarnak. Allez.
joue avec des lunettes parce que les graphiques. Oh, je joue avec des lunettes parce que les graphiques sont trop petits. Ouais, la télé est trop loin. Il faudrait une grosse télé. Genre chez nous, ce serait bon, je pense. Ouais. J'ai l'impression qu'on est trop loin. Ouais. Là, mes yeux sont comme habitués aux lunettes. Ouais. Là, je punky, moi. Je vais poigner quelle heure encore. Ah, oh, je peux pas. Ok, je vais essayer de poigner Cyril, je suis désolée. On a fait des bonhommes avec les noms de gens qu'on connaît. Je vais lancer un missile dans la tête à Cyril. Laissez-le tranquille. He's not dead, it's okay. It's okay. Ok, vas-y. Ah, oh, je l'ai manqué. Tu l'as manqué? Ben non. Ah, oh, hey, ça c'est pas hot. Genre, en haut de sa tête. Ah, oh, ça, j'aurais dû prendre la batte. C'était Cyril. Mon casseur, c'est. Le aérien, il est pas disponible. Dans un tour, il va être disponible. Ah, ouais. Imagine, bon, on peut avoir ça. Le missile auto-vie. C'est moi, ça, c'est Max. Oh non. Oh, oh, bah ok, ça a marché. Oh, shit. Ok, j'étais Gab, allô Gab. C'est dans mon vlog. Ah oh, il y a un vlog aujourd'hui. Oui, je recommence parce que je suis pauvre. Ok, ben alors les vlogs, pour faire de l'argent, on fait de la musique. C'est ça qu'il faut. Merci. On peut faire la danse. Qui en danse? Fait que ça, c'était quoi? C'était ta prochaine c'est chanson? C'est une preview, ouais, de le prochain morceau qui sort en août. On n'est pas ensemble! C'est mon ami. Avant que les gens le disent encore dans les commentaires, cette année, que les gens disent. Bref. Faut ignorer. Oui, faut ignorer. Bon, là, on s'en allait sur mon petit balcon. Puis, on s'en allait boire de la bière, je pense, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, mais là il voulait me faire écouter sa musique, fait que... Oh mon dieu, j'aimerais trop vous montrer ma terrasse. Mais je veux pas trop vous montrer parce que... Parce que c'est ça, je veux pas vous montrer où est-ce que j'habite. Mais j'ai mis des petites lumières, genre, mais c'est vraiment mignon, c'est vraiment très très cute. Vous pouvez pas voir ça, dommage. Je trouve ça très charmant. C'est très belle terrasse. Non mais avoue que c'est beau là. Je pense que j'ai le plus beau balcon de la rue. Sans me vanter. Très modeste. Merci d'avoir regardé ce vlog. Moi puis ma face qui suit. On vous dit à demain parce que demain aussi je vais vlogger. Cyril va m'aider. On va faire des photos demain, n'est-ce pas? On va faire un shooting photo. Puis c'est ça. Donc merci d'avoir regardé. On se revoit demain. Bye.